gen yon diskusyon ki lansi nan mètè resan, depi apre denye renkont nou avèk Kalkop, yon diskusyon ki lansi nan 21 disan. Mba pral rapote de blatere e sa kap ti nan kat privi antre nou. Se pa En tout cas, moi, j'ai besoin de nom là, sous table là, oui. J'ai besoin de nom qui écrivait besoin de moi. Je parle de Majorie Michel, je parle de. Je parle de. Je parle de Gagné, je parle de. Edouard Joseph, je parle de. Emily Prophète, je parle de Ariel Henry, je parle de. Emily Prophète. Donc, on va quatre noms. Donc, c'est un adhérent. Non, non, je ne vais pas rentrer sur le nom. Il y a discussion, donc il y a débat. Mais il y a un nom à vous retirer. Ah, il y a un rire. Parce qu'il y a des gens qui ont un droit pour que tu intéressé ou pas tu intéressé plus tard. Mais on va l'intéresser demain matin. Mais Ariel pas intéressé. Ariel pas intéressé. Ariel Henry, non, du tout. Nous te parlons de ça avec elle, ma prenne. Il dit pas intéressé. Non, nous ne parlons pas de ça avec elle. Ah, et ça vient de jeune. Je dis nous parlons avec monsieur Koui. Non. Nous ne parlons pas avec elle pour prendre l'esprit de l'intéressé. D'accord, nous parler avec lui parce que nous, depuis quelque temps, nous discutons ça avec lui. Il participait dans le processus de discussion. Mais non seulement pas intéressé lui-même personnellement, on va en quelle idée, jamais. Mais pour ne pas intéressé, on te pose une question quand même. Non. Et toi-même, tu es resté solidaire, Ariel Henry. Ariel Henry était au pouvoir, on était très proche de lui. L'Elvin perd du pouvoir dans les circonstances que nous tous nous connaissons, il vient plus proche de lui toujours. Il vient plus proche de lui toujours. Et il me fait deux fois ça. À chaque fois que je participe dans une rencontre diplomatique, dans une rencontre internationale, je me fais le devoir pour moi mettre sur la table là. La nécessité du retour en Haïti de l'ancien premier ministre. Et donc c'est ça qu'on dit là, dans l'espace émission ça. Donc ou même, ou quoi que faut Ariel retourne en Haïti, vienne vivre dans le pays. Moi quoi faut qu'il tourne. Est-ce qu'on travaille pour ça? Est-ce qu'on milite pour ça? C'est un combat par lui. C'est là nous quittons le dossier. Moi dit le 13 août 2024, dans la rencontre avec Calcom, non? Mandé Calcop pour intervenir pour faciliter le retour en Haïti de l'ancien premier ministre Ariel Henry et on prend note et on dit qu'on va porter requête noire par les chefs d'État et de gouvernement de la Calcop et dans toute notre rencontre on participe moins deal. Vous défendez votre visa. Diplomate moins deal parce que pour moi il faut le tourner. Haïti est un pays difficile. C'est très difficile de gérer à sa volonté ce pays qui s'appelle Haïti. Très difficile. Très difficile. Mais est-ce qu'on aborde des questions ça avec Ariel? Est-ce qu'il veut retourner? Là, nous avons des sujets, oui, là. Est-ce qu'il veut retourner? Bon, moi, je crois que circonstances compliquées pour le moment. Situation du pays a son bail exceptionnellement difficile. Et même moi, penser. Ariel Henry et la fini par retourner. C'est pas ça, Mando, non, moins du est-ce que monsieur partage ça avec vous, que le vle vin dans le pays? Est-ce qu'il d'où ça? Oh, allez, Mabjo, on l'aide dans quoi Ariel Henry? Par quoi la chambre capable, confortable dans le pays étranger? Il a besoin de dire ça à ça. Non, mais est-ce que le d'où ça? Est-ce que le d'où ça? Est-ce que vous m'en dites ça? Pas dans la condition, nous. Ou pas m'en dites ça? Il n'y a pas d'où ça, tout. Mais l'organe débat ça avec, qui ça le joue? Elle parle de Haïti, est-ce qu'elle songe à Haïti, est-ce qu'elle veut tourner? Elle s'en explique quoi, des bagailles, amertume, ou bien ça la vive? Parce qu'on me rapporte qu'il est malheureux là-bas. Il veut retourner en Haïti, c'est ce qu'on me dit. Il aimerait. Il n'est pas heureux en exil. Assurément. Bon, personne n'est heureux en exil d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. Assurément, il veut retourner en Haïti. Assurément, il va devoir retourner en Haïti.
pas une discussion sur ça, parce qu'on n'est pas qu'à heureux. Bon, on est arrangé ça. On n'est pas qu'à heureux à l'exil. Et on parle avec en pile. Et il y a pas qu'à lui dire moins, il y a pas qu'à lui pas dire. Il y a pas qu'à lui pas dire. Mais Mais ça, pour l'instant, on pensait que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. apprêter un problème avec nous. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour le moment, selon toi, pour qu'ils reviennent. On est capable de juger situation même. On peut juger Non, mais situation. je te demande. On peut juger nous-mêmes. La situation sécuritaire du pays a vraiment dégradé. Bon, c'est. Bah, l'aventure est moins. Même penser dans une situation difficile. Mais je pense qu'il va revenir. De Mais son parallèlement, côté. je dis que monsieur a essayé pour changer statut là-bas, par exemple, visa, il a cherché une résidence ou bien l'autre bagarre, monsieur a fait. Parce que je dis que monsieur déjà entamé une démarche pour un papier légal l'autre bord, parce que son visa est parti. Donc, alors, on aime pas. C'est strictement privé. Je C'est dis que strictement monsieur l'a mis à privé. faire un prêt pour une résidence. C'est strictement Il n'a privé. pas parlé de ça avec vous. Non, bah, il m'a vraiment deux questions, ça. Non, on parle avec Ariel Henry. En pile, en pile, en pile. Mais, non, bah, j'aimerais rentrer dans les questions privées. Bien, on discussion qui est lancée dans le 21 décembre, depuis après dernière rencontre, non, avec Calcop. En discussion qui est lancée dans le 21 décembre. Et m'a rapporté, déblatéré, et ça capte dans quatre privés. Entre nous. C'est pas En tout important cas, moi, il y a de plusieurs parler noms de là, sous ça. table là, oui. Il y a plusieurs noms C'est qui écrivent pas jeunes. une bonne chose. Le Pas problème une de bonne Majorie chose. Michel, le problème de. Le problème de. Le problème de Gagné, le problème de. Edouard Joseph, le problème de. Emily Prophète, le problème de Ariel Henry, le problème de Emily Prophète. Donc, on va quatre noms. Donc, c'est un là d'ailleurs. Non, non, non. Je ne vais pas rentrer sur le nom qui est en discussion, non, qui est en débat. Mais encore un nom m'a retiré. Ariel Parce qu'il y a des gens qui ont un droit pour qu'ils soient intéressés, ou qu'ils soient intéressés plus tard, Henry. ou bien qu'ils soient intéressés demain matin. Mais Ariel pas Je parle intéressé. pour le monde, ça. Ariel pas Mais intéressé. Ariel Henry, non, non, du tout, du tout, du tout. Nous te parlons de ça avec elle, ma prenne. Il dit pas intéressé. Non, 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 nous ne pouvons pas parler ça avec Ah, elle. et ça vient jeune, je dis C'est. nous parler ça avec monsieur, monsieur Koui. Non, 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 non. Nous pas parler avec elle pour demander est-ce qu'elle est intéressée. D'accord? Nous parler avec lui parce que nous, depuis quelque temps, nous discutons ça avec lui. Hein? Les participer dans le processus de discussion. Mais non seulement pas intéressé lui-même personnellement, on va en quelle idée? Jamais. Mais Mais Ariel pour ne connaître pas Henry. intérêt, c'est pour te poser la question quand même. Non, 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 parle avec Ariel Henry. En pile, en pile, fais-moi confiance. Et toi-même, tu es resté solidaire, Ariel Henry. M'abdiou, nous sommes qui fait politique avec honnêteté, avec sincérité. Ariel Henry était au pouvoir, on était très proche de lui. Lui perd du pouvoir dans les circonstances que nous tous nous connaissons, il vient plus proche de lui toujours. Il vient plus proche de lui toujours. Et nous faisons deux voix ça. À chaque fois que nous participons dans rencontres diplomatiques, nos rencontres internationales, de nous faire le devoir pour moi mettre sur table là, la nécessité du retour en Haïti de l'ancien premier ministre. Et donc c'est ça qu'on dit là, dans l'espace émission ça, donc ou Je même, ne ou mets quoi que faut Ariel retourner en Haïti, venir vivre dans le pays. Moi, quoi, il faut que l'on tourne. Est-ce qu'on Il travaille faut pour tourner. ça? Est-ce qu'on Ah milite pour oui. ça? C'est un combat par lui. Mais là, Je l'ai nous dit. quitter Je l'ai dossier. dit. Moi, dit le 13 août 2024, dans la rencontre avec Calcom, non? J'ai demandé Calcom pour intervenir pour faciliter le retour en Haïti de l'ancien premier ministre Ariel Henry. Et on prend note. Et on dit, on va poter requête noire par les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et dans toute notre rencontre, on participer, moins deal. Vous défendez votre Moi, visa. que diplomate, moins deal. Parce que pour moi, il faut le tourner. Haïti, c'est un pays difficile. C'est très difficile de gérer à sa volonté ce pays qui s'appelle Haïti. Très difficile. Très difficile. Mais est-ce qu'on aborde des questions ça avec Ariel? Est-ce qu'il veut retourner? Là, nous avons des sujets, oui, là.
Est-ce qu'il veut retourner? Circonstances compliquées pour le moment. Mmh. Situation du pays a son bail exceptionnellement difficile. Et même moi pensais, Ariel Henry, et la finit par retourner en C'est pas Haïti. ça, Mando, moins dur. Est-ce que monsieur partageait ça avec vous, que le vlève vient dans le pays? Est-ce qu'il dit ça? Oh, attendez, Mabzou, on est encore Ariel Henry. Par quoi la chambre capable, confortable dans le pays étranger? Il a besoin de dire ça. Non, mais est-ce qu'elle dit Vous n'avez pas ça? Est-ce demandé qu'elle dit ça. ça? Est-ce qu'on m'a dit ça? Pas dans la Non, condition, pas nous. forcément de ça. Ou pas dit ça? Il pas dit ça, tout. Non. Et puis si c'est pas. D'ailleurs, on connaît que dans toute rencontre, moi, participer, me demander pour le retourner. Mais l'organe C'est débat plus ça normal avec. d'abdim, mon L'organe Et débat ça puis. avec. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a parlé d'Haïti. Est-ce qu'elle songe à Haïti? Est-ce qu'elle veut tourner? Ça l'explique quoi? Des bagailles, amertume, ou bien ça la vive. Parce qu'on me rapporte qu'il est malheureux là-bas. Il veut retourner en Haïti, c'est ce qu'on me dit. Il aimerait alors, il aimerait. Il n'est pas heureux en exil. Assurément, Bon, il veut personne n'est retourner heureux en en exil Haïti. d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, voilà. Assurément, il veut retourner en Haïti. Assurément, il va devoir retourner en Haïti. Ben, il y a des discussions sur ça, parce qu'on n'est pas qu'à heureux. Bon, on est arrangé ça. On n'est pas qu'à heureux en exil. Et on parle avec Derville. Et il y a pas qu'à lui dire moins. Il y a pas qu'à lui pas dire. Il y a pas qu'à lui dire pas dire. Mais Mais pour ça, l'instant, on pensait que les occupé conditions de à sécurité ne sont pas remplies. apprêter un problème avec lui. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour le moment, selon toi, pour qu'il revienne. On est capable de juger situation même. On peut juger Non, mais situation. je te demande. On peut juger nous-mêmes. La situation sécuritaire du pays a vraiment dégradé. Bon, c'est. Bah, l'aventure, moi. Même penser dans une situation difficile. Mais je pense qu'il va revenir dans Mais son pays. parallèlement, je dis que monsieur a essayé pour changer statut là-bas, par exemple, visa, il a cherché une résidence ou bien l'autre bagage, monsieur a fait. Parce que je dis que monsieur déjà entamé une démarche pour un papier légal l'autre bord, parce que son visa est parti. Bon, alors le qu'on aime pas, c'est strictement privé. Je C'est dis strictement monsieur l'a privé. fait un prêt pour une résidence. C'est strictement Il n'a pas privé. parlé ça avec vous. Non, bah, il m'a vraiment deux questions, ça. Non, on parle avec Ariel Henry, en pile. Mais, nous ne bah, allons pas jamais rentrer dans les questions privées.